Bonjour, loïc4.gphone.com. Une petite vidéo pour ceux qui n'aiment pas forcément l'interface de base d'Android et qui donc aimeraient la personnaliser. Il existe plusieurs petites applications qui permettent de modifier quasi intégralement l'interface d'Android. Là en l'occurrence j'en ai installé une qui s'appelle A-Home et donc qui permet d'installer des thèmes et des widgets personnalisés. Là j'ai installé un petit thème qui s'appelle Star et donc qui modifie les icônes d'Android et qui ajoute une espèce de petit dock en bas de l'écran. Des thèmes, il en existe déjà des dizaines voire des centaines et donc c'est très facile à installer. En quelques clics, on installe un autre thème. Voilà, là je choisis le thème iPhone. Et donc en quelques secondes, mon HTC Magic ressemble presque à un iPhone. On peut également ajouter des widgets. Là, on avait déjà le widget météo, mais il y a aussi un widget qui permet de suivre en direct le cours de la bourse, ce qui est quand même bien chouette. Et donc voilà. Très clairement, l'interface d'Android est personnalisable et customisable dans les moindres détails. Et donc là, moi j'ai installé cette application en mode gratuit, mais il existe une version plus complète qui permet de personnaliser encore plus son interface qui ajoute d'autres widgets, etc. Donc très clairement, les possibilités de personnalisation d'Android sont quasi limitées et je suis sûr que tout le monde y trouvera son compte.